Michel, viens voir. Viens voir, Michel, viens voir, viens voir. Mets-toi là, assieds-toi là. Ok, tu t'assois là, ok, j'arrive, bouge pas, j'arrive. Alors. Tu fais quoi, tu filmes? Ouais. Quoi, tu filmes? Ok, ok, ok. T'es prêt, Michel? Prêt pour quoi? Bah, je vais te raconter un truc, ok. Il y a un truc qu'ils font sur internet en ce moment, les mecs. Ouais. D'accord? Ils racontent des histoires qui font peur. Okay. C'est des histoires d'horreur, tu vois, bah. Ouais, ouf, bah oui. Ça marche trop bien. Okay. Ça fait 10 millions de vues. Ah, ok, et on va faire ça pour toi. Ouais, je te raconte une histoire. Ok, vas-y, vas-y, raconte. T'es prêt? Ouais. Ok, vas-y. Ouais. Alors, écoute bien, c'est l'histoire d'un mec. Ouais. D'accord. Qui tue un autre mec. Ok. T'as flippé ou pas? C'est tout? Ouais. Bah non, j'ai pas flippé du coup. Enfin, c'est court, quoi. Faut développer un peu. Ok. Regarde, par exemple. Ok. C'est l'histoire d'une famille. Et là, il te tue. J'ai trop flippé, Michel. Okay. C'est les détails. Ouais. C'est les détails. Faut que tu développes. Ouais, c'est bien. Donc, vas-y, essaye. Ouais. Essaie. Alors, vas-y. Alors, c'est l'histoire d'une famille. Pas à moi. Je la connais. Je viens de te la raconter, Luc. Je la connais. Ah ouais. Faut que tu la racontes à quelqu'un d'autre. Michel, vous faites quoi là? Ah bah tiens, parfait. Les filles, viens voir. On va vous raconter des histoires d'horreur. C'est des histoires qui font peur, Louise. Où il se passe des trucs horribles. Oh non, j'aime pas ça. Tu veux dire des trucs horribles comme quand il y a quelqu'un qui tue avec une hache et là il t'asphyxie avec un aspirateur et après il te prend tout ton corps et il te le met dans l'aspirateur et après il aspire partout et même les fourmis. Par exemple. Ouais, c'est par exemple, c'est une possibilité, tu vois. Ouais. Okay. Bah vas-y, raconte, vas-y. Luc, tu racontes, okay, et t'oublies pas, ouais. Tu racontes les détails. Ouais, les détails. Les détails. Ok, développe. D'accord. C'est l'histoire d'une famille, d'accord. Ils vous invitent dans leur maison pour manger. Vous rentrez dans la maison. Là, vous êtes dans la maison. Et là. Là, ça toque à la porte. Non, ça toque à la fenêtre. Ok, ça toque à la fenêtre. Et vous allez ouvrir la porte. Ah ouais, et vous allez ouvrir la fenêtre. Non, la porte. La porte. Ça peut pas être une porte-fenêtre sinon. Non. On comprend rien à votre histoire là. Attends, bon, je vois. Vas-y, Michel. Donc ça toque à la fenêtre. Ah non, pas la fenêtre. Ah oui, parce qu'en fait, il y a des bouts de fenêtre partout, du coup, ça fait du verre pilé. Et après, on peut manger le verre pilé, Non, attendez. D'abord, vous allez ouvrir la porte, et là, il n'y a personne. Ah, il y a personne. Attends, c'est pas encore fini. Il n'y a pas un papy aussi qui a une hache et qui veut tous nous tuer? Parce que les papys, des fois, ça fait vraiment peur. C'est une autre histoire. Mais là, il n'y a personne. D'accord? Du coup, vous rentrez dans la maison, et là, vous allez à table. Et la table est déjà servie. Ah non! Mais la table est juste servie, attends. Il y a quoi sur la table? Il y a peut-être des saucisses parce que c'est comme des bouts de doigts, tu sais, qui saignent. Et alors après, avec le sang, ça te fait du jus. Non, du steak haché. C'est sous cloche, vous savez pas ce qu'il y a. D'accord? Vous savez pas ce qu'il y a à manger. Mais vous sentez que la famille, elle a l'air un peu bizarre. Vous sentez que ça vous met mal à l'aise. Ok? Donc vous allez dans la salle de bain. Et là, dans la salle de bain. Ah, franchement, à vous deux, là, c'est l'enfer, votre histoire, quoi. T'es pas chez toi, c'est toi qui vas ouvrir la porte, et puis après, tu vas te cacher dans la salle de bain parce que t'as peur, mais quand Vas-y, Héloïse! Oh, mais c'est horrible! Héloïse! J'aime pas ça, moi! Boum!